que les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And action. Belgium. Is it a proper country or just some geopolitical compromise? I don't know. But it does have a palace. And they hired me to make a promotional documentary about the king. It will be my great honor to personally deliver this symbol of Brussels to your great city of Istanbul. See ya. But breaking news was on its way. La Wallonie a déclaré son indépendance! Pardon? La Belgique a éclaté! On a commencé à écrire entre Altiplano, qu'on avait sorti en 2009, et la cinquième saison, qui est sortie en 2012. Et donc l'écriture avait commencé même avant la fin de notre trilogie de films plus graves, on peut l'appeler comme plus ça. Tragique. Tragique. Et il y avait la crise politique en Belgique, et puis il y avait le volcan islandais qui a un peu compliqué la vie de beaucoup de gens. Et on a mis ensemble des éléments comme ça, très intuitivement, et on s'est dit... Et les élections belges, là Oui, avec la crise politique. Quoi. Et donc, dans cette atmosphère-là est né ce personnage du roi. Déjà, le choix d'un roi néerlandophone, c'est déjà surprenant. Donc, on est loin de la réalité, mais en même temps ancré dans les vraies problématiques du pays et de l'Europe en général. Et donc, l'idée que c'est la Wallonie qui déclare son indépendance, c'était aussi... L'inverse. Donc on a fait l'inverse des choses et on a transplanté notre personnage principal sur la frontière de l'Europe. De la médaille truc. All flights are grounded due to a cosmic disturbance. I must get home to Belgium immediately. It is not possible. Mr. Roy, please. Hoe staat het met onze vlucht? Geen vlucht hier, maar wel een vluchtplan. Mr. Lloyd comes with his camera. We will capture our journey back home for the people. Point final. Pour nous, l'histoire est plutôt quelqu'un qui est né dans une situation où il ne peut plus échapper ou changer. Et tu vois pendant le voyage dans les Balkans, il change. Donc si même un roi peut changer, alors tout le monde peut changer. Pour nous, c'était plus important que c'était un roi qu'un président ou quelqu'un d'autre. Et on le dit dans le film, le pauvre, on l'appelle Nicolas le silencieux. Pauvre type, il n'a même pas de voix. Voilà. Ça nous fascinait de penser, il n'a jamais été assis à côté de quelqu'un qui ne soit pas au courant qu'il soit roi. Ça nous fascine, ça. Et tout à coup, ce n'est qu'un homme. Et les femmes bulgares autour de lui le trouvent assez charmant. Mais il n'est pas roi, c'est juste un Belge perdu. Zdrave, družino! Let's face it, history was in the making here. Thank you very much. Oh, živeli, živeli! Maybe you don't know your country kaput. Nicolas, sauces for kebab. Il fallait garder une certaine fraîcheur pendant le tournage, sur le plateau, pour garder la crédibilité et l'authenticité, et cette fraîcheur. Parce qu'on voulait que le ton soit, qu'il y ait cette fraîcheur dans le film, dans le récit, pour ne pas tomber dans des lourdeurs ou dans des scènes trop écrites. Et donc on a fort préparé les comédiens, on a fait beaucoup, beaucoup d'improvisation, on a passé beaucoup de temps ensemble. Qui connaissent vraiment bien leur personnage et pour leur donner des ailes. Mais on voulait toujours rester dans la crédibilité. Ça, c'était aussi un des codes dans le film. L'authenticité, crédibilité. Dès qu'ils jouaient comique pendant la répétition, c'était des drapeaux rouges. Voilà. Non, pour vous tous, c'est la réalité absolue. Ça, c'était une des clés au niveau du jeu des comédiens. Vite! Ik werd eindelijk wakker. Ik proef. It seems we're with the yogurt, Jorik. Ik voel al mijn zintuigen op scherp. See ya. Allô. Oui, nous allons très bien. One more question. Did you film the finger? Dans une comédie plus traditionnelle, chaque scène dure 3-4 secondes et on coupe. Mais là, on ne peut pas parce qu'on a juste un caméra, c'est le caméra de Duncan Lloyd. Et tout à coup, on a une comédie, enfin disons comédie, une comédie dramatique peut-être,
Et la durée moyenne de chaque scène est 30 secondes. C'est vraiment très long. Hein? Mais inévitable parce qu'il n'y a qu'un caméra, donc une seule caméra. Nous, on vient tous les deux du documentaire. Et quand on tourne des documentaires, on est confronté tous les jours, chaque image, chaque scène, chaque moment, par des questions éthiques. Il fallait que ça soit ancré aussi dans le récit. Et to what greater purpose? Mm-hmm. C'est la question posée plusieurs fois. Et voilà, à la fin... Il y a le personnage de Louise qui critique Duncan Doyle, il prend. Hein? Et pour for what greater purpose? Mm-hmm. Voilà, et ça, ce sont nos propres questionnements aussi, en tant qu'ex-documentariste. Voilà, donc, mais on voulait que ça soit aussi ancré dans le récit, parce que c'est quand même un roi. Et il se posait des questions tout au long. Où sont les frontières éthiques? Ce n'est pas un simple personnage, c'est un roi. Et lui, à la fin, il se révèle en tant que peut-être quelqu'un qui aurait du potentiel, qui pourrait, voilà, créer quelque chose d'exceptionnel, ou voilà, qui pourrait toucher les gens, vraiment, qui pourrait faire entendre sa voix. Il va en tout cas chercher sa propre voix. Fini le Nicolas le silencieux. C'est fini. Et donc, ça donne de l'espoir. Mm-hmm. Voilà, donc... Ouais, c'est pour la suite, hein. Ah oui, ça c'est pour la suite. Ah.